Eh oui, bonjour! Bonjour! Oh my! All right, on va faire ça, puis après, je m'en vais me coucher, OK? Ben non, t'es capable. Aujourd'hui, on parle des moves immorales qui vous ont charmé. Puis moi, plus jeune, j'avais un ami qui était super bon. Lui, son truc pour aller voir des filles d'un bar, c'est qu'ils abordaient en disant « Qu'est-ce que t'essaies de prouver? Tu penses-tu que t'es la plus belle? Ça paraît que tu veux trop. » C'était ça, sa technique. Wow! Puis là, la fille était tellement déstabilisée qu'elle prenait le temps de jaser, de justifier. Puis lui, finalement, il devenait charmeur puis gentil, puis elle ramenait tout le temps chez eux. Ouais, moi, ça me faisait capoter. C'est là. Une game dégueulasse. Ouais. Wow. Moi, je reparlais tout le temps avec... Je consolais son ami LED. Là. C'était ça que je faisais. C'est pas mes soirées préférées. Là, mais... De toute façon, aujourd'hui, ce gars-là, il est en prison. Fait que je pense que j'ai gagné. Ouais. Y a-tu un emballeur à l'épicerie? C'est un maniaque, ben, finalement. C'est un psychopathe. Moi, je pense que j'ai jamais fait de trucs déplacés dans ma vie, mais je m'en ai fait faire plein, par exemple. Okay? Parce que... Laissez-moi finir ma chronique. Moi, après chaque show, je reste pour prendre des photos avec le monde, OK? Fait que, tu sais, il y a des jeunes, il y a des vieux, il y a surtout des mamans célibataires puis des femmes seules avec la libido dans le tapis. Puis moi, je suis là pour vendre du rêve, fait bring it on, OK? Bring it. Moi, je me fais sortir des phrases des fois, puis c'est arrivé à Brassard en fin de semaine, OK? Il y a un gars qui était là avec sa blonde, puis il me dit, elle a écrit ton nom sur son dildo pour s'imaginer que c'est toi qui es dans elle. Pardon. Ouais. Tu t'es fait dire ça? Ouais, puis là, j'étais comme, j'ai été dans plus de monde que je pense, finalement. Mais moi, là, je capotais. Je suis comme, s'il y a un peu de cash à faire avec ça, je suis game de mouler mon pénis en chocolat, de le faire goûter à tout le monde. Okay? Oh, wow. S'il y a une boutique érotique qui écoute en ce moment, se mettre ma tête sur le bout d'un vibrateur, je prends 50% des ventes. Okay? Juste le bout, juste le bout. Juste le bout, juste ma tête. Un bubble head qui vibre. Ouais. Juste... Sinon, il y a des phrases de jeunes mamans célibataires qui reviennent plus souvent, genre « On pourrait laisser nos enfants jouer ensemble pendant que nous, on joue ensemble. Oh, » Ou des fois, ils se rentrent un Sharpie dans le fond de la gorge en disant « Check comment je vais vraiment loin! » Des trucs anodins, là, mais bref. Le moment de prendre des photos, c'est souvent là que ça se passe. Okay? Parce que je suis à côté des madames, puis je me fais tripoter, flatter le dos, caresser l'épaule. Il y a déjà une madame qui a mis le début de sa main dans mes boxers, sur mes fesses. What? Okay? Ouais, clairement comme ça. C'est souvent des femmes fin quarantaine, début cinquantaine. Et honnêtement, j'haïs pas ça. Okay? Moi, là, ça fait assez longtemps que j'attends d'avoir du succès. Si ça peut te donner un peu de bonheur de me toucher le cul avec le bout de tes doigts, let's go, Sonia. Okay? Vas-y, entre là ta main, tente ma pomme de fesse, puis gratte mon poil de cul avec tes ongles. Okay? Puis pendant que tu fais ça, regarde-moi dans les yeux pour que je vois dans le fond de ton âme que ça fait longtemps que t'as pas eu de chair fraîche en dedans de toi. Yeah! Je veux que ça te rappelle. Je veux que ça te rappelle quand t'avais 25 ans puis que t'as laissé à la plage à Old Orchard avec tes amis puis que votre été, c'était de goûter aux Américains. Yeah! Imagine qu'on est les deux là, sur le sable, c'est en maillot, que je te tiens par la main, qu'on mange un cornet, mais que t'es tellement horny que tu le liches comme un chien qui a pas mangé depuis 3 jours. Là, t'as le cerveau gelé, puis tu te sens en eau, mais moi, je te regarde, puis je te trouve belle pareil. Puis je te freine, puis je te remonte les fesses dans mes mains pendant que tu sens que si j'avais pas de maillot, je serais déjà un peu en dedans. Ah ben, tiens, Mike! C'est quoi qu'on vit? Puis là, la tension, elle monte. Ouais, la tension monte, puis on se veut, puis je lance mon cornet au bout de mes bras, puis il retombe dans le front d'un petit gars qui se met à pleurer. Mais moi, je m'en fous parce qu'on est absorbé par notre tension sexuelle. T'en shake tellement t'as envie, puis là, tu me chuchotes dans l'oreille. Baise-moi, Mike, baise-moi. Puis moi, je te réponds, c'est ça que je vais faire, Sonia. C'est ça que je vais faire. Puis là, tu me fais... Quoi? Puis j'y réponds, mm-hmm. Puis là, on s'étend sur le sable, puis on a tellement envie qu'on se rend même pas à notre hôtel. T'es couché sur le dos, puis moi, je suis debout, puis je te regarde, puis je déchire mon maillot. Et anyway, il était trop petit. Je le lance au loin, puis atterrit sur le petit qui a reçu le cornet dans le front, qui pleure encore. Mais moi, je m'en fous parce que mon attention est juste sur toi. Je te pop les seins qui sortent de ton maillot puis je tasse ta culotte sur le côté pour pouvoir te bouffer avant que la prochaine vague arrive. Wow! On est directement jusqu'où l'eau finit. Fait que le sable est juste assez compact pour être confortable, mais pas complètement dans l'eau. Fait que moi, ça me permet de faire des petits trous dans le sable pour bien appuyer mes pieds à chaque coup de bassin que je te donne. Il y a juste nous deux sur la plage. En fait, c'est pas vrai, là, mais il y a du monde en crise, mais on a l'impression qu'on est tout seul. Ben, j'ai mal aux joues, man. La mère du petit gars arrive, puis elle nous crie après. Ah non! Ah non, mais tu okay. Mais on s'en rend pas compte parce que le bruit des vagues me claque les fesses à chaque va-et-vient pour m'aider à donner un kick de plus pour que ça te rentre jusque dans le fond des ovaires. Tout ça pendant que ta toune de Céline Dion préférée à joue. Imagine-toi ça, Sonia, pendant qu'on fait un beau sourire pour une photo souvenir après mon spectacle. Oui! Les démons du...